Meuf, tu es prête? J'espère que tu vas pas au travail avec ce rouge à lèvres. Pourquoi? Parce que mon boss pourrait se plaindre. La couleur est trop vive. Je ne comprends pas du tout. Ton patron doit nous dire à quoi nous devons ressembler. Oui. Les filles de mon département ont très peur de Richard Calou. Il est trop strict. De toute façon, comment tu me trouves? Simple et sexy. Merci. Ça, c'est du n'importe quoi. Joséphine, ça va? Oh, oui, d'accord. S'ils ne veulent embaucher personne, pourquoi est-ce qu'ils me perdent le temps? Je ne vais pas laisser mon CV ici. Désolée pour ça, s'il vous plaît. Mais si je peux continuer. Oui, continuez. Madame Idara. Ok, s'il vous plaît, vous pouvez entrer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Non. Je m'appelle Idira Edith Thompson. Avez-vous déjà travaillé en tant qu'assistante auparavant? Non, monsieur. Alors, comment est-ce que vous connaîtrez la nature de ce travail? Je compte faire une formation intensive. J'ai eu à lire sur les... Il ne s'agit pas de ce que vous avez lu à l'école. Voilà mon CV, monsieur. Je ne suis intéressé ni par votre CV, ni par vos références. Ce que je veux, c'est l'intelligence, supériorité, compétence. Quelqu'un qui règle les problèmes, un arrangeur. Quelqu'un qui sait lire entre les lignes, barrer les T, mettre les points sur les I. J'ai travaillé avec plusieurs messieurs et mesdames. La plupart d'entre eux prétendent être diplômés des plus grandes universités avec de bonnes mentions. Et pourtant, aucun d'entre eux n'a été capable de m'offrir ce que je veux. Absolument aucun d'entre eux. Alors dites-moi, si on vous avait embauché, que comptez-vous apporter sur cette table, hormis... vos diplômes. S'il vous plaît, prenez place. Décrivez qui vous êtes en trois mots. Intelligente, je m'exprime bien, proactive.
Monsieur Fayence vous fera faire le tour des lieux. Vous serez formé pendant 2 semaines. Et ensuite, vous pourrez commencer. Merci, monsieur. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Remerciez-vous vous-même. Maintenant, allez commencer. De lundi à samedi, vous devez être au bureau avant 7h30. Il travaille les samedis. Bien sûr, même les fériés. C'est une entreprise privée et pas celui du gouvernement. Vous devez être au bureau avant 7h30. Ça, c'est parce que vous devez lui faire du café chaque matin. Et il a d'autres choses dans son frigo qu'il prend. Qu'en est-il du thé ? Non, juste du café. Juste du café. Meuf, je n'arrive pas à croire que tu as eu le travail. Quelle question t'a-t-il posé pour que tu réussisses ? Je suis encore sous le choc. C'était comme si j'étais assise devant le trône d'un dieu. Copine, mon problème actuellement, c'est que la formation est trop intense. Pourquoi est-ce que je dois subir une telle formation juste pour être une assistante ? Attends jusqu'à ce que tu commences à travailler avec le directeur. Alors tu sauras pourquoi 6 personnes ont été virées en 3 mois seulement. C'est un perfectionniste. Tu sais, un travail comme le tien ici à Abuja est considéré comme de l'or. Des hommes et des femmes sont là d'ailleurs pour chercher de telles opportunités. Monsieur Fayose a dit que mon salaire sera de 250 000 naira. Et demain, je verrai mes appartements à Baroua. Wow. Regardez cette grande fille. Ma petite, laisse-moi tranquille. Hein? Merci infiniment. C'est rien, tu es mon amie. Si je ne t'avais pas branchée, qui d'autre le ferait-je? Ma petite, top là, ma petite a du réseau. Merci. Qui a-tu à te rejoindre, Seigneur? Je m'en vais à l'intérieur. Ah. D'accord, à tout à l'heure. D'accord. Bonjour, monsieur. À quelle heure es-tu censé commencer le travail tous les jours? 7h30, monsieur. Et quelle heure est-il maintenant? Minutes, monsieur. Je suis arrivé au bureau avant toi. Mon café n'est pas prêt. Mon agenda de la journée n'est pas encore prêt. En fait, tu m'as fait comprendre que tu es habile et intelligente. Mais malheureusement, je ne vois qu'en signe d'habileté et d'intelligence. Et tu dois savoir que ce n'est pas avec ça que j'aimerais travailler. Monsieur... Je suis en train de parler. Est-ce que Monsieur Fayose a partagé avec toi le manuel de la procédure à suivre? Oui, monsieur. Alors étudie-le. Je ne suis pas connu pour accepter les échecs. Je suis vraiment désolée d'être venue en retard au travail, monsieur. En fait, je me suis réveillée tôt. Je ne suis pas également connu pour accepter les excuses. À vrai dire, je les déteste. Maintenant, appelle-moi Fayose. Oui, monsieur. Monsieur Fayose, je n'ai pas de raison pour mettre l'œil sur ma nouvelle assistante, au moins jusqu'à ce qu'elle soit proprement formée pendant les 4 derniers jours. Tout de suite, monsieur. Très bien. Il ne mange pas du poisson.
Il ne mange pas du bœuf. Ouais, parfois il mange du poulet. Mais c'est quoi ce genre d'être humain? Il est comme ça parce qu'il est saint. Ma petite, je suis fatiguée. Fatiguée? Tu n'as même pas encore commencé à travailler et tu dis que t'es fatiguée? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'être avec un homme qui ne mange pas de la nourriture qui lui donnera de la force. Et pourtant, il est aussi insensible que quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. T'es pas sérieuse parce que tu n'as que 2 jours dans la compagnie et tu te plains déjà? Tu n'as même pas encore vu le vrai visage du directeur. Bref, quand as-tu dit qu'on ira encore en boîte? Boîte de nuit, le week-end. Je travaille les samedis et dimanches. Bien que mon emploi du temps dit demi-journée. Demi-journée? Alors on peut toujours sortir. Ma petite, je te jure que je suis fatiguée. C'est quoi cette merde? Du café. Oui, je sais que c'est du café, mais qu'est-ce que tu as mis là-dedans? C'est du café noir, monsieur. J'ai ajouté du sucre dedans parce que sans sucre, c'est en fait amer et c'est pas bon du tout. Idara, ne sais-tu pas que tu dois avoir ma permission avant d'ajouter du sucre dans mon café au bar? Si tu avais fait ça en patient diabétique, tu allais sans doute être poursuivi pour ce geste idiot. Je suis désolée, monsieur. Je ne savais pas que vous ne consommez pas de sucre. Ça ne se reproduira plus. Maintenant, écoute, la seule raison pour laquelle tu peux trouver du sucre dans mon bureau, c'est parce que les clients que je reçois ici, la plupart d'entre eux, consomment du sucre, mais je ne le fais pas. Que ce soit la dernière fois que tu mets du sucre dans mon café. Oui, monsieur. Tu peux t'en aller. Tu peux t'asseoir. Non, assieds-toi. Monsieur Fayoz, l'assistante personnelle, c'est quoi son nom encore? Mademoiselle Idara Thompson. Oui, celle-là. Demande au chauffeur de l'accompagner sur le champ. D'accord. C'est tout, monsieur? Oui, ce serait tout. Fayoz, détends-toi un peu, ok? Relax. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Waouh, c'est beau. Laisse-moi te montrer ma chambre. Tu vas l'adorer. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, le chauffeur n'est plus avec moi. Et alors? Il n'y a personne de disponible en ce moment pour m'emmener au restaurant. Idara, tu as une voiture à toi toute seule. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on t'accompagne? Ça, c'est parce que je ne sais pas conduire. Donc, je dois laisser ce que je suis en train de faire et conduire moi-même pour Calabar à Roma?
Simplement parce que tu as délibérément choisi de ne pas apprendre à conduire. Pourquoi est-ce que je t'embauchais en premier lieu? En fait, mon ami voulait m'apprendre à conduire. Ton ami? Tu as eu un chauffeur à ta disposition pendant plus d'un mois. Pourquoi est-ce que tu ne lui as pas demandé? Parce que tu es cinglé. Voilà la vérité. Je suis désolée, monsieur. Tu n'as rien dans le cerveau. Maintenant, va là et cherche-moi à manger. Je m'en fous de comment tu vas le faire. Dégage. As-tu tout noté? Oui, monsieur. Il faut tout inclure. Tous les investissements, des villes et les présentations qui vont surmonter notre visibilité publique. Les rédactions des panneaux d'affiches virtuelles et les publicités télévisées. L'appartement du Sénégal se estime à 1 800 000. Non, efface ça. 1 400 000. 1 400 000 dollars, c'est noté? Une minute, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Et ne manquons pas aussi d'examiner les risques, la valeur imposable et l'analyse de la croissance des matières. Bon sang. J'ai un problème avec le personnel des entreprises qui vient au travail miteux, surtout dans un environnement compétent comme le nôtre. Je suis désolé, monsieur, je ne vous comprends pas. Je n'aime pas tes chaussures. J'en ai d'autres qui sont meilleures. Je n'aime aucune d'entre elles. Mais ma mère, qui s'approche de la soixantaine et est retraitée, porte de meilleures chaussures que toi. Alors voici ce que tu vas faire. Tu iras au département des finances. Je vais appeler pour approuver certains fonds. Prends cet argent. Va chez Tiana. Tu peux prendre n'importe quel chauffeur. Ils connaissent l'endroit et peuvent t'y amener, ok? Achète-toi de belles chaussures de qualité. Choisis n'importe quel chauffeur de ton choix. Il t'amènera chez Tiana, ok? D'accord, monsieur. Et une autre chose. Tu dois continuer d'améliorer tes compétences de conduite. Tu ne pourras pas toujours avoir le chauffeur à ta disposition. Le plus tu es indépendante, le mieux ce sera pour nous. Oui, monsieur. Merci. Vas-y maintenant. Mademoiselle Zira, tu n'as pas été très dégagée ces derniers jours. Est-ce que quelque chose ne va pas? Rien, monsieur. Ok. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit à quel point? À quel point tu es belle? Je veux dire, ce que j'essaie de dire est que tu devrais te comporter d'une manière qui ne me poussera pas à être. Et en fait, tu sais, en fait, je n'aime pas vraiment hurler sur ma belle assistante. Je vais bien, monsieur. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Excuse-moi. Allô, maman. Richard, Zoé a appelé. Et elle se plaint que tu décroches à peine ses appels. Et tu ne réponds pas à ses messages. Pourquoi est-ce que tu ne décroches pas ses appels et tu ne réponds pas à ses messages? Maman, c'est... Cette fille est belle. D'autres hommes ne devraient pas te l'arracher. Maman, attends. Je t'écoute.
Ok, alors, est-ce que Zoé t'a dit que je lui ai dit que je l'aimais? Ou que je vais lui faire ma demande? Est-ce qu'elle te l'a dit? Maman, écoute, c'est une nouvelle ère, maman. C'est une nouvelle génération. Finissons les jours où les mères épousent les femmes pour leurs fils. Ça n'arrive plus à cette époque. Richard, chaque année devient finalement une ancienne année. Je t'ai envoyé une photo de cette fille qui partait à la plage avec ses amis à Miami. Est-ce que tu as vu à quel point son corps rayonnait? Est-ce que tu as vu ses belles et longues jambes? Maman, pardonne-moi de te couper court. Un partenaire d'affaires vient d'entrer dans mon bureau. Et ce n'est pas très professionnel d'avoir cette conversation. Je te promets de te rappeler, maman, ok? Je te rappellerai, promis. Je t'aime, maman. Richard, pas encore. Ah! Mademoiselle Thierry. Oui, monsieur. Es-tu en train de rire? Je suis désolée, non, monsieur. Non, vas-y, c'est bon. Tu sais, ma mère en fait trop. Je comprends, monsieur. Toutes les mères sont comme ça. Crois-moi sur parole, ma mère est la pire de toutes. Si vous le dites. Ah, je te fais rire, je te fais sourire. Oui, je t'ai fait sourire. Et voilà, il dira que je veux voir dans ce bureau. Continue de rire, parce que c'est ce que je veux. Merci, monsieur. S'il vous plaît, est-ce que je peux partir? Bien sûr, oui. Retourne au travail, ok? Madame Dupont, ma plus grosse fournisseuse. ok, je vais envoyer mon assistante pour voir si cela est réglé, ok? Merci. Idara, je veux que tu ailles chez Tiana. Il y a une certaine dame que tu vas amener à l'hôtel 4 étoiles. Maintenant, monsieur? Oui, s'il te plaît, maintenant. S'il te plaît, dépêche-toi, je vais organiser une réunion. Oh, d'accord, monsieur, merci. L'assistante de Richard. Es-tu celle que je devais venir chercher? Oui, je t'en prie. Entre dans la voiture. Où? Siège avant. Pourquoi? Richie aime que je sois derrière. Fais-toi plaisir.
Hello, copine. Devine quoi? Ritchie vient de me demander pardon. En ce moment où je te parle, son assistante est en train de m'amener dans un hôtel 4 étoiles pour se faire pardonner. Je pourrais pousser ce mec comme une blague. Comme une blague. Ma puce, je suis tellement contente. Oui, je suis tellement contente. Ok, je te laisse te reposer. À plus. Bye bye. Mon Dieu. La porte est ouverte. Je sais que la porte est ouverte. Viens l'ouvrir pour moi. Je suis désolée, je ne peux pas faire ça. S'il te plaît, descends, je dois assister à des réunions. De toutes les façons, la raison pour laquelle je prends ça à la légère, c'est parce que c'est la première fois que je te vois. La prochaine fois que tu refais ça, fais-moi confiance, tu paieras ton travail. Allô, Idi. Comment va le travail? Ah, Richard a une copine? Ah, je suis vraiment désolée pour ça. Tu sais que t'es son assistante et la personne la plus proche de lui. Alors tu verras sûrement beaucoup de choses. D'accord, ma chère. Prends soin de toi, ok? Entrez. Joyeux anniversaire, monsieur. Merci. Je pensais à ce que je peux vous offrir comme cadeau, parce que je sais que vous avez déjà pratiquement tout. Eh bien, au contraire, je n'ai pas tout. Vous l'avez, monsieur. Joyeux anniversaire une fois de plus. Ce sont des boutons de manchette. Des boutons de manchette? J'aime bien les boutons de manchette. Tu es la première dame qui m'a offert un cadeau. Non, je viens de me souvenir que Tiana m'a offert un cadeau une fois, alors cela fait de toi la deuxième dame. Mais je l'aime de toute façon. C'est bien. Et ça représente beaucoup pour moi. Merci beaucoup. Je suis contente que vous les aimiez, monsieur. Bien sûr que je les aime. Alors, prépare-toi. Ce soir, toi et moi allons sortir. D'accord, monsieur. Joyeux anniversaire, monsieur. Je vous souhaite une longue vie prospère. Merci. Merci, monsieur Fayos. Tu me connais très bien. Je ne célèbre pas souvent des anniversaires ou d'autres festivités. Mais, comme vous avez décidé d'apporter une nouvelle culture à l'entreprise,
de m'embarrasser chaque 5 minutes juste pour me souhaiter joyeux anniversaire. Qui suis-je pour ne pas montrer ma reconnaissance? Merci encore une fois de plus. J'apprécie vraiment. Alors, tu peux réunir tout le monde pour passer du bon temps. Prendre quelques rafraîchissements. Mais juste une heure. Parce que le travail continue toujours. Hein. Merci, monsieur. Ah, c'est tout. Merci, monsieur. Et aussi, merci de garder les choses en ordre ici. Surtout quand je ne suis pas là. Tu fais un bon travail. Merci, monsieur. Excusez-moi. Amen. Tu es béni par sa gloire. Amen. Tu épouseras une bonne femme. Tu donneras de beaux petits-fils. Amen, maman. Oh, look at me. Oh, look at me. Here I'm already.
money fun baba loke ano re duro titi lai lai emi orun iba lo ye ka se fele du mare lori oko lori aya lori ebi atore omo nitori oluke mi la se wa nbi akora wa po ara ore ati ebi aboyo abokunrin omo alaye olojo yi bi ndada la o mo bo. I'll be birthday to you. Olojo ibi yo, God bless you. As we gather to celebrate you, you know we gather like light to cry with you. God bless the day you came alive. Oh, look at me. Here I wore a mask on in gogo aye. Oh, look at me. Oh, look at me. Gogo. Oh, look at me. Here I wore a mask on in gogo aye. Oh, look at me. We love you. Your family, we love you. Your friends, I'm love you. Your colleagues, I'm love you. I love it. Everyone, I'm love you. And oh God loves you more. And oh God loves you more. Them love you. Oh, them love you. We love you. Oh, oh look at me. Here I wore my tiny go-go. Happy birthday to you. Olojo ibi yo, God bless you. As we gather to celebrate you, you know we'll gather like light to cry with you. God bless the day you came alive. Oh, look at me. Je suis vraiment désolée. Je ne sais même pas quoi. Écoute, tu n'as pas besoin d'être désolée pour quoi que ce soit. Ok. Détends-toi juste. Tu as beaucoup bu hier soir. Et tu dois te reposer. Eh bien, j'ai commandé du café. Ça aidera à réduire le stress. Qu'est-ce qui s'est passé entre nous? J'imagine qu'en ce moment, tu devrais être au courant. Écoute, Idara, je t'aime vraiment. Je t'aime beaucoup. Vous êtes mon patron. Oui. Je suis ton patron. Vous venez de m'embrasser sur la joue. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Ça. Le fait que nous ayons des relations intimes, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu n'as aucune idée à quel point j'ai attendu pour ce moment. Chaque jour, quand je te vois dans le bureau, je deviens vraiment bouche-bée et rempli d'immenses désirs. Et ces réunions qu'on avait, tu étais tout ce qui occupait mon esprit. Et pendant mes rêves de jour, tu étais placée là, complètement et toute nue, avec ces beaux yeux qui transpercent mon âme, comme si j'étais en captivité. Pendant mes rêves en plein jour,
Tu étais mon patron. Et ça me va. Richard. Ouais, je vais te rappeler, donne-moi juste une seconde. Ok, je te rappelle aussitôt, ouais. Comment tu vas? Oui, je me porte bien. Et toi? Richard, ça fait un moment que tu m'évites maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Peux-tu me le dire, s'il te plaît? J'étais très occupé. Ce n'était pas mon intention de t'éviter. Occupé à faire quoi? Très occupé pour venir me voir et passer du bon temps avec mes copines. Tu sais quoi? Je vais essayer de créer du temps et... je viendrai bientôt. Que veux-tu dire pas bientôt? Ça fait des semaines que tu dis ça. Que veux-tu dire pas bientôt, Richard? S'il te plaît, que se passe-t-il vraiment? Est-ce que tu peux me le dire, s'il te plaît? De toute façon, je suis au chantier là, toute seule. Est-ce que tu peux venir là pour un coup vite fait? Je sais que ça va être dingue et que tu vas adorer chaque instant comme d'habitude. En fait, Tiana, il y a un temps dans la vie d'un homme où... Et laisse tomber les folies de jeunesse. J'ai beaucoup réfléchi et je crois qu'il est grand temps qu'on arrête tous ces comportements puérils. Hein? Oh, c'est à cause d'elle, n'est-ce pas? De qui est-ce que tu parles? Cette fille de bas étage avec qui tu te pavanes. Tiana, ne mêle pas Idara à ceci. Oh, elle a un nom. Intéressant. De toute façon... Je vais la mêler à ceci. Parce qu'elle est la raison pour laquelle tu m'évites pendant tout ce temps. Richard, j'ai passé toutes ces années, 5 ans, à assouvir tes désirs sexuels. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Je n'ai personne d'autre. S'il te plaît. Richard, s'il te plaît, ne me fais pas ça. S'il te plaît. Richard, s'il te plaît. Est-ce que tu peux venir pour qu'on en parle, ok? Alors je considère ton silence en ce qui concerne le voyage pour un oui, n'est-ce pas? Pourquoi cette fête de Noël? Eh bien, ma mère veut que je me case avec cette dame. Elle s'appelle Zoé. Mais le truc est que je ne pense pas que je sois prêt à me caser encore. Ou peut-être que je ne l'aime pas assez. Alors, j'espère que tu pourras m'aider en te présentant comme ma fiancée, te comporter comme si on était fiancés, sur le point de nous marier. De cette façon, ma mère pourra oublier Zoé et moi. Et tout sera réglé. Ok. Merci. La société de collaboration Stalen veut collaborer avec nous sur un projet à grand risque que le gouvernement fédéral demande aux entrepreneurs de faire une offre. Leur PDG aimerait avoir une réunion avec vous. Un instant. S'il te plaît, redis-le. Oui, monsieur. La société de construction Stalen aimerait collaborer avec nous sur un projet à grand risque que le gouvernement fédéral demande aux entrepreneurs de faire une offre. Leur PDG aimerait... Non. Je ne comprends pas, monsieur. Non? Mademoiselle Idara, eh bien, à ma connaissance, si je peux le dire comme ça, le mot N-O-N veut dire une seule chose. Nous n'allons pas perdre des collaborateurs dans l'entreprise. Qu'ils fassent leur offre et on fera les nôtres. Que l'entreprise la plus crédible gagne. C'est tout. Bien, tu peux partir maintenant.
Excusez-moi, monsieur. Une certaine Madame Chantal est ici pour vous voir. Elle dit qu'elle a été envoyée par Tiana. Je ne pense pas que je me souvienne de ce nom, mais si elle prétend qu'elle a été envoyée par Tiana, laisse-la entrer. D'accord, monsieur. Salut, bébé. Mes excuses, je ne pense plus que je me souviens de ton visage. Pour ne pas parler de ton nom. Je suis la dame chez Tiana. Ok, Tiana, je la connais. Et elle a été mon contact auprès d'un tas de gens, alors... Je ne pense pas que je vais pouvoir me rappeler de chacun d'entre eux. Comme je l'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Toi, bébé. Excusez-moi, monsieur. Hey. Je ne vais pas permettre quoi que ce soit que tu aies là-haut, dans ta tête, ou autre part, pas pendant les heures de travail. Alors c'est à ce moment que tu dois partir, pendant que je repars travailler. Eh bien, je suis juste venue pour dire merci pour les 500 000 naira que tu m'as donné l'autre jour. J'ai été capable de payer ma scolarité et même avoir un nouvel appartement. Alors, merci. Et peux-tu me rappeler comment tu t'appelles? Chantal. Ou alors tu pourrais m'appeler Sexy Choco. Ok, alors, Sexy, ou peu importe comment tu t'appelles, Choco. Ok? Ouais, je t'ai entendu. Merci de me remercier. Uh-huh. Et peu importe ce dont tu auras besoin, va voir Tiana, ok? Je ferai de mon mieux pour t'aider. Mais en ce moment, je dois vraiment retourner travailler. Alors va-t'en, j'appelle la sécurité. Je veux juste ton numéro. Tiana a refusé de me le donner. Et qu'est-ce que tu fais croire que je vais te le donner? Toi et moi n'avons rien à faire ensemble. Peux-tu partir maintenant? Ok. Mais je veux juste trois choses de toi. Ton numéro de téléphone. Un selfie. Un baiser. Es-tu folle? Ou alors tu préfères un coup vite fait? Je suis partante. Hey, écoute, je ne sais pas qui t'a envoyé ou ce que tu fais dans mon bureau. Mais tu dois partir et je te promets que si tu ne t'en vas pas, je vais t'embarrasser. Je vais appeler la police. Va-t'en! Ce sera rapide. Sors de mon bureau! Il n'y a personne. Sors de mon bureau, maintenant! Bébé. Excusez-moi, monsieur. J'en ai terminé pour la journée, monsieur. Non, pas du tout. Est-ce que quelque chose ne va pas? Tu vas bien? Je vais bien, monsieur. Très bien, alors. Vu que tu n'es pas prête à me dire quel est le problème, j'ai peur que tu n'aies pas ma permission pour partir. Je ne m'attendais pas à ce que quelque chose de sérieux se passe entre nous. Mais je mérite d'être respectée. Parce que vous avez une fois embrassé mes lèvres et me mentir. Je ne me suis jamais sentie aussi utilisée de toute ma vie. J'ai tellement mal au cœur que je ne le supporte pas. Est-ce que tu dis tout ça à cause de la dame qui était ici? Vous avez couché avec elle. Quand? C'est ce qu'elle t'a dit? Que j'ai couché avec elle? Allez, je croyais que tu étais au-dessus de tout ça. Heureusement, tu te comportes comme un enfant. Pourquoi est-ce que vous mentez? Elle est votre petite amie. Quoi? S'il te plaît, sors de mon bureau.
comment ça s'est passé? Ah, ça s'est très bien passé. Trop bien même. Il avait visiblement peur. Bien. Je t'envoie quelque chose dans ton compte tout de suite. Tu es une bonne fille. Merci, maman. Merci beaucoup, t'es la meilleure. Merci aussi. Et tu as dit que c'était une urgence. Je suis venu aussi vite que je le pouvais. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Je voulais juste te voir. Et tu peux voir ma nouvelle maison. Si je t'avais pas dit que c'était une urgence, je sais que tu n'allais pas venir. Diana, tu ne peux pas continuer de faire ça. Tu sais que je suis un homme occupé. Richard, tu m'as manqué. Nos week-ends ensemble me manquent. Je dois commencer à partir. J'ai beaucoup de dossiers au bureau et je dois tous les examiner. Maintenant, tu me traites comme de la merde. Non, je ne pourrai jamais te traiter de la sorte. Richard, est-ce que tu peux me donner ton temps? Un jour? Une nuit? Une heure? Juste une fois de plus? Une dernière fois, s'il te plaît? S'il te plaît, Richard. S'il te plaît. Une dernière fois? Une dernière fois. C'est quoi ça? Je démissionne. Tu es vraiment obligé de le faire. Oui. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous ne pouvez pas me forcer à rester. Idara. Je ne vois pas la raison pour laquelle tu vas te tracasser pour quelque chose qui est aussi inutile. Si tout ça c'est à cause de la dame d'hier, je t'assure que rien ne s'est passé entre nous. Je ne sors pas avec elle. Je ne suis jamais sorti avec elle. En fait, je ne sors avec personne. Alors, si une femme s'approche de toi et te dit que je suis dans une relation avec elle, elle est sans doute en train de te mentir ou te rouler dans la farine. Pour l'amour de Dieu, pendant les 3 dernières années de ma vie, je n'ai pas été en couple. Je l'ai prise de chez Tiana pour l'hôtel ce jour-là. Oui, tu l'as fait. Et alors quoi? À quoi est-ce que cela sert? Ok. Bien, j'ai essayé de voir si quelque chose pouvait marcher entre elle et moi. Mais elle s'est avérée qu'elle ne soit même pas mon genre. Alors je lui ai donné ce qu'elle voulait, elle est partie. Qu'est-ce qu'elle voulait? Pourquoi est-ce que tu t'éloignes de moi? Je lui ai donné de l'argent. L'argent pour payer sa pension. Et c'est ça, elle s'en est allée. Je suis désolé. Allez. C'était juste de l'argent et c'est tout. Nous n'avons rien fait, je suis désolé.
Je lui ai juste donné de l'argent et c'était tout. Allez. Copine, mon patron veut que je l'accompagne pour voir ses parents. Non, il a dit quelque chose sur sa mère qui voudrait qu'il épouse une fille qu'il n'aime pas. Ma puce, mais attends, laisse-moi parler. Je n'ai rien à voir avec lui, franchement. Il a dit qu'il veut que je l'accompagne chez ses parents et je suis tellement excitée. Souhaite-moi bonne chance. Tu vas aussi me manquer. Thank you.
Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle Dorothée. Est-ce que tu as vu mademoiselle Idara? Elle est arrivée très tôt, elle a déposé les clés de la voiture, puis elle est partie. Est-ce qu'elle t'a parlé de quelque chose ou avec quelqu'un d'autre? Monsieur, est-ce qu'elle était censée le faire? Non. Te dérange pas. Ok. Je ne veux plus travailler avec toi. Nous devons parler. De quoi? De toi et moi. De ce qui s'est passé chez Diana. Tu es vraiment venu ici pour me mentir? Pour me raconter des mensonges sur toutes ces filles? As-tu oublié qu'avant que je ne tombe amoureuse de toi, tu m'as envoyé maintes fois pour aller chercher ces filles? Et les emmener dans les hôtels différents de ton choix. Pourquoi est-ce que je m'énerve en fait? Je savais que tu as toujours été un joueur. Tu as toujours été un tricheur, couchant partout avec les filles d'Abuja. Pourquoi est-ce que je me suis trompée en croyant que tu allais changer? Idara. Tu ne pourras jamais, jamais changer. Je ne vais rien changer de tout cela. Je suis ici né pour me défendre. Au fait, ça a toujours été une addiction pour moi. J'espérais que tu pourrais m'aider à le résoudre. Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas ici pour te demander de reprendre le service en tant que mon assistante. Mais j'ai déjà parlé à mes parents de toi. Ils t'attendent. Je leur ai dit que je t'amènerai à la maison. S'il te plaît, fais-moi juste cette dernière faveur. Mensonge. Non. Gros et sale mensonge. Non. Je sais que je ne te mérite pas. Je sais que j'étais vraiment blessé. Mais en ce moment, quand je te l'ai dit, mes parents t'attendent. J'ai pigé ce que tu as dit. Si tu me vois, parfait. Si tu ne me vois pas, parfait. Et encore une chose, je vais partir de ton appartement ce week-end. Pourquoi? Parce que je ne travaille plus pour toi. Eh bien, je ne me souviens pas que tu aies envoyé une lettre. J'ai rédigé une lettre de démission et tu l'as déchirée en morceaux. Vraiment? Et comment se fait-il que ma mémoire m'échappe parce que je ne me souviens d'aucun de ces détails? Quand tu veux tricher, tu fais semblant d'être amnésique. Eh bien, maintenant tu t'en souviens. Maintenant tu le sais. Eh bien, quand tu l'auras oublié, Idara, ton contrat d'emploi affirme clairement, dans un cas où un employé compte démissionner, un tel employé doit rédiger une lettre de notification pour au moins une période de 3 mois, avant une lettre de démission. Alors, techniquement, tu travailles encore pour moi. Je sais pourquoi tu veux l'épouser. C'est parce qu'elle est belle. Suzanne,
Laisse-le se reposer. Il mange. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Un homme doit se marier pour la bonne raison. Qui est la beauté? Parce qu'aucune mère ne veut que ses enfants, ses petits-enfants soient laids. Même si quelqu'un le voulait, je ne voudrais pas avoir de petit-fils moche. Je veux qu'il soit magnifique, comme je le suis. Maman, pourrions-nous avoir cette conversation quand on aura terminé de manger? C'est vrai. C'est pas le bon moment de parler de ça. C'est vrai, ce n'est pas le bon moment de parler de ça. C'est mieux. Je sais que tu es amoureuse de mon fils. Je peux le voir dans tes beaux et grands yeux. Maman. Je suis désolé pour ce spectacle que ma mère a exhibé. C'est bon. Je l'aime bien. Ok. Et je suis aussi désolé de n'avoir pas soulevé ça tôt. J'ai voulu te le demander il y a très longtemps. Aurais-tu la gentillesse de me parler, eh bien, de ta famille? Mon père est mort quand j'avais 10 ans. Et ma sœur n'avait que 2 ans. Ma mère s'est battue toute seule pour nous élever, ma sœur et moi. Elle est retraitée maintenant. Elle enseignait à l'école publique. Donc, il n'y a que toi et ta sœur maintenant? Oui. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que je pourrais faire? Pas nécessairement. Tu en es sûre? Bien sûr. La rose est ma couleur préférée. J'aurais aimé avoir une fille qui partagerait mon goût vestimentaire et peut-être partager mes jolis vêtements avec moi. Malheureusement, je n'ai pas arrêté d'avoir des séries et des séries de fausses couches après que j'ai eu mon Richard. Désolée pour ça. C'est bon. Ça fait un très long moment. Alors, dis-moi, que fais-tu? Je travaille en tant qu'assistante dans l'immobilier, madame. Ça veut dire que c'est là-bas que mon Richard t'a rencontré? Parce qu'il en possède un aussi. Enfin, mon fils va épouser une belle femme. Tu lui donneras beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Qui vont enfin hériter de la richesse des Kalou et continuer avec l'héritage de leur grand-père. Ne prête pas attention à Richard et à tout ce qu'il raconte à propos de la maternité, d'accord? Je ne sais pas pourquoi il se met en colère contre moi, à chaque fois que je parle des choses traditionnelles. Ma puce, en tant que femme, avoir beaucoup d'enfants est un avantage, c'est une grande bénédiction de Dieu. Et je n'ai pas eu la chance d'en avoir beaucoup. C'est pourquoi je crois que Dieu ne m'a pas bénie. Oh. Ça, c'est la vérité. Dieu ne m'a pas bénie. S'il te plaît, ne dis pas ça. Au moins, je t'aime maintenant. Tu vas me donner un tas de petits-fils. De beaux garçons, des filles, partout dans cette maison. Magnifique comme tu l'es, n'est-ce pas? Tu vas m'en donner beaucoup. Sois la bienvenue. Merci. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, non, non. En fait, fais tout ton possible de prendre bien soin de toi. Parce que nous avons un héritage à protéger. Tu comprends? Alors, quand tu vas rentrer, rassure-toi que... Ah, ma fille. Dieu te bénira. Amen. Amen.
Amen. Et s'il te plaît, prends bien soin de toi-même. Je le ferai. S'il se comporte mal, n'hésite pas à m'appeler pour me le dire, hein. T'as qu'à m'appeler. Comment se fait-il que c'est toujours moi qui se comporte mal? Je sais que je déteste voyager. Mais pour toi, je viendrai vous rendre visite pour savoir comment tu te portes. Merci, maman. Prends soin de toi, ok? Oui, maman. Et merci d'être venue. Je vais te conduire à ta portière. Okay. Écoute. Prends bien soin d'elle. C'est une bonne femme. Je sais. Je l'aime. Papa, je vais déposer la clé de la voiture à l'hôtel. Comme ça, Joseph pourra venir chercher la voiture. Y a pas de souci. Tu sais quoi faire. Merci, papa. C'est rien. Je voulais te remercier pour le service que tu m'as rendu. Il n'y a pas de quoi. Tu as oublié quelque chose. Quoi? L'argent que je t'ai promis que j'allais te donner après le service. Je n'échoue jamais à mes promesses. Ce ne sera pas nécessaire. Je me suis amusée. D'ailleurs, j'aime tes parents. Bye. Oh mon Dieu. Ah! Oh mon Dieu. Ah! Oh bonté divine. Ah! Ma petite Sacha, ma petite, il n'y a absolument rien du tout que tu vas me dire cette fois-ci. Tu t'es finalement trouvé un mec? Non, aucun homme. En fait, je recherche un homme, tu vois. Richard Kalou est amoureux de toi. La façon qu'il te regarde dans toutes ses photos. Vraiment, copine, tu dois ouvrir tes yeux que ces petites filles ne l'arrachent pas de toi. Il n'est pas comme ça. Mais attends, Ida. Tu m'étonnes. Tu veux me dire que tu as eu le courage de me cacher un tel secret? Tu sors avec le patron? Je comptais tout te raconter. Tu sais, mais c'est arrivé tellement vite. Avant que je ne le sache, je tombais déjà amoureuse. Alors dis-moi, est-ce que vous avez déjà... Ma puce, les murs ont des oreilles, tu sais. D'accord, donc, ne t'en fais pas. Tu vois tous ces secrets que tu me caches, je vais les découvrir un jour. Je t'en prie, meuf, lâche-moi. Alors, qu'aimerais-tu manger? Est-ce que tu as faim? Oui. Mais laisse-moi d'abord finir avec ceci. Qu'est-ce que tu as? J'ai tout. Madame Kalou. La future milliardaire. Non, ne t'en fais pas. Nous allons y arriver. C'est quoi tout Nous ça? Nous allons y arriver. Je l'avoue, tu m'as gâtée. Waouh, je me suis vraiment... Ah, il y a de quoi. Tu as fini deux marmites. Vraiment? Mais attends, Ida. Ça fait combien de temps que tu connais Richard pour connaître absolument tout ça? Hey, ma petite, n'y va pas. Il ne s'agit pas de combien de temps, mais à quel point. Ah ouais? Excusez-moi, comment est-ce que je peux vous aider? C'est toi, Idara? Oui, bien sûr. Eh bien, mon nom est Chioma et je suis la fiancée de Richard Kalou. Je sais que tu es choquée.
C'est pour ça que je suis ici, pour te parler de femme à femme. Comme je te l'ai dit plus tôt, mon nom est Chioma. Et je suis enceinte de 3 mois de Richard. Oui, il ne m'a pas abandonnée. En fait, il rentre encore à la maison pour moi. Attendez, vous dites que vous vivez ensemble? Oui. Alors, pourquoi es-tu venu ici pour me donner cette information? Pour ton propre bien. Parce qu'il va t'utiliser et t'abandonner. Exactement comme il m'a utilisé. Tu pourrais prendre ça comme un conseil, un avertissement ou une menace. Je ferai une vidéo de vous deux si tu ne t'éloignes pas de mon homme et je vais la poster sur les réseaux sociaux. Allô, Richard. Une femme vient de quitter ma maison maintenant. Elle s'appelle Chioma. Elle vit avec toi. Et elle est enceinte de toi. Comment se fait-il que tu ne m'en aies pas parlé depuis tout ce temps? Copine, tu dois te calmer. Calme-toi. Il dit qu'il ne sait rien sur une Chioma. Il pourrait dire la vérité. Tu ne connais pas toutes ces filles. Elles peuvent tout faire pour avoir un homme aussi riche que Richard Kalou. Ça pourrait être l'un de leurs pièges. Non. Ce n'est pas un piège. Pour qu'elle soit assez courageuse de venir ici pour me le dire. Ce n'est pas un piège. Tu ne connais pas ces filles. Elles peuvent absolument tout faire pour avoir un homme aussi riche que Richard Kalou. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je n'ai jamais été aussi embarrassée de toute ma vie. Monsieur Fayot, je te demande encore, qu'est-ce qui te tracasse? C'est quoi le problème? Désolé, monsieur, mais il y a un problème. Ok. La dame qui s'appelle Chioma a posté une vidéo dans les réseaux sociaux. Elle raconte aux gens comment vous avez couché avec elle. Les commentaires dans cette vidéo sont faux. De quoi est-ce que tu parles? Je veux dire, qui est Chioma? Quelle vidéo? Bien, comme mon mec Richard Kalou ne veut pas prendre ça paisiblement, j'ai décidé de le dévoiler sur les réseaux sociaux. Oui, Richard Kalou, je t'appelle ici, comme tu as refusé d'assumer tes responsabilités en tant que père de notre futur enfant. Tu as même amené ton assistante hors du pays et tu m'as laissé souffrir. Richard Kalou, Dieu va te juger. Dieu va te juger avec toutes ces personnes qui supportent ton stupide comportement. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi est-ce que tu me traites de la sorte? Pourquoi? Ah.
Monsieur, je pense qu'on devrait la dédommager. La dédommager pourquoi? Tu me demandes de dédommager une femme sur les réseaux sociaux que je ne connais même pas. C'est fou pour savoir à quel point ces idiots des réseaux sociaux iront pour terner l'image des autres. Je ne connais même pas cette fille. Je ne l'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Je veux qu'on l'arrête. Immédiatement. Je pense. Je ne te paye pas pour que tu réfléchisses à ma place. Maintenant, fais ton travail. Va-t'en. D'accord, monsieur. Qui es-tu? Et qui t'a payé pour ternir mon image? Personne ne m'a payé, monsieur. J'ai flashé sur vous, ça fait des années. Et vous ne m'avez jamais regardé. Je devais faire quelque chose pour vous pousser à vous rapprocher de moi. Je connais votre maison, votre bureau. Je connais tout sur vous, l'une de vos employées. Je suis même au courant de Tiana. Alors, tu veux dire que tu as payé des blogueurs, journalistes. Tu as inondé tout Internet et augmenté ta page à plus d'un million de spectateurs juste parce que tu as flashé sur un homme. Est-ce que tu réalises la gravité de tes actes? Est-ce que tu réalises à quel point tu as détruit ma relation pour ne pas parler de mon prestige et mon affaire? Je suis désolé, monsieur. Désolé, mon œil. Tu t'es infligé ça toute seule, mais alors qu'est-ce qu'on va faire de toi? S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai fait ce que j'ai fait par jalousie. 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 Pourquoi est-ce que tu souris? Je viens de me rappeler que je... ne t'ai vraiment jamais dit à quel point je t'aimais. Je t'aime aussi. Vraiment? Comment se fait-il que tu ne me l'as jamais dit? Tu ne l'avais jamais dit également. Eh bien, je pense que cela facilitera les choses pour ce que je suis sur le point de faire maintenant. Quoi? Mademoiselle Idara Thompson, feras-tu de ma vie imparfaite, parfaite, en devenant ma femme? Oui. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.